As-tu vu le dictionnaire? Pourquoi t'en as besoin? Veux-tu devenir Miss Dictionnaire 2006? Non, c'est pour l'oral de français. Tu le fais déjà? T'es bien pressé. Ben là, c'est pour demain. Justement, demain, c'est encore loin. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? T'écoutais pas, hein? Faut parler d'une personne importante pour nous puis la représenter avec un objet. J'imagine que tu vas le faire sur Einstein. J'imagine que tu vas le faire sur Mario Lemieux. Non! T'es pas assez intelligent pour deviner mon sujet. Qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée de mon sujet, mais ça, t'es pas obligé de le savoir. Ben, tu verras demain. Puis le dictionnaire est pas dans ma chambre, Einstein. Bye bye! Oh, je le sais! Tu vas aller chercher ton sujet sur Internet? Ben, fais attention de pas copier le site du prof cette fois-ci, hein? Non, mon sujet est tellement original qu'il y a même pas de site là-dessus. Ouh! Allez, dehors! Oh! Mais là! C'est pas juste! Ils n'ont pas le droit de faire travailler les enfants. Je pourrais me plaindre à... À Janine? Au secours, grand-maman, mes parents m'obligent à faire le lavage. Il y a des lois contre le travail des enfants. T'es quand même pas en train de te faire fouetter. J'ai vu un reportage sur les enfants chinois, puis il y en a qui travaillent pour 2 $ la journée dans des usines. Je suis peut-être pas battue, mais je suis aussi mal payée qu'eux autres. Non, ça va dans le pas. Bon, dépêche-toi. Oh, j'ai assez hâte de commencer notre jeu. Tu vas voir, j'ai plein d'idées. Premièrement, on pourrait faire comme des cases dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça pourrait être plus facile pour... Oh, wesh! Ça pue! Ah! Ça fait combien de temps que c'est dans la veuse, ce brassé-là? Hier matin, je l'ai oublié. Mais c'est pour ça que ça pue. Là, il va falloir tout laver. J'ai pas de temps à perdre avec le lavage. C'est parce que Victoria va s'en rendre compte, hein? Le linge va sentir aussi mauvais une fois sec. Personne va le remarquer. On verra. Du poulet au citron? Oh non, pourquoi pas des pâtes? Il me semble que ça fait longtemps. Des pâtes. Bon. Pâtes, page 45. Tadam! Je suis là! Ah, bonjour Karine. Célina m'avait pas dit que tu venais. Mais c'est parce que je le savais pas non plus. Parce que j'ai besoin d'une invitation pour venir chez toi maintenant. Oh non, non, pas du tout. C'est parce que je suis en train de préparer mon oral. Je suis un peu nerveuse. En tout cas, si ça te tente... Je fais une nouvelle recette de pâtes pour le souper. Ça me tente. Hey, j'espère que Claude n'est pas parti du labo. Ça va me prendre de la crème pour ma recette. J'ai fini mon oral. Je peux t'aider pour le tien si tu veux. T'as déjà tout fini? C'est tout à fait dans l'esprit de mon oral. Hein? Je suis maintenant une fille beaucoup plus zen. Quelle personne t'as choisi? Le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Tu le connais? C'est le chef religieux des Tibétains, leur genre de pape. Sauf qu'il est chauve, puis il porte des robes de couleur. Oui, je sais très bien c'est qui, mais c'est quoi le rapport avec ta nouvelle attitude? Je suis contre la guerre, calme et zen, comme le Dalai Lama. Oh. Une personne calme, toi, depuis 42 secondes. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue aider Nathan parce qu'on prépare un jeu de société. Sauf que je trouve pas les ciseaux. Ah, je pense que je les ai vus partir dans le salon à côté du divan. OK, merci. Elle m'énerve. Elle veut toujours m'imiter ces temps-ci. Je suis sûre qu'elle a fait exprès de venir ici. Regarde. Je suis sûre qu'elle va vouloir la même chose que moi. Un bon verre de jus de pomme. Karine, est-ce que tu soupes ici? On n'est pas obligé de souper ensemble. Je sais, je demandais ça de même. Dis-le que tu veux du jus de pomme. Bon, si tu me le sers. Oui. Tu vois? Elle veut un verre de jus de pomme comme moi. Elle veut savoir si je soupe ici pour souper à la même place que moi. C'est tout le temps comme ça, dernièrement. On dirait qu'elle veut me ressembler.
C'est Karine ou moi qui exagère? Bienvenue à Trouver la ressemblante! Notre première concurrente, Karine Blanchard! Karine aime les potins et les garçons. Elle est très généreuse, mais très curieuse! Karine est jumelée à sa sœur, Sarah! Sarah aime les animaux et les jeux de société. Elle est franche! Maintenant, c'est à vous, cher public, de trouver la ressemblance! Mesdames et messieurs, avez-vous trouvé la ressemblance? Ce sont deux filles! C'est Karine qui exagère. Elle est pas si pire que ça, Sarah. Si tu veux, je peux te l'échanger contre Nathan. J'ai une meilleure idée. On devrait les donner à une œuvre de charité. Là, on aurait la paix. Karine! Mais quoi? Salut les petits Max! Ah, salut Simon! Ça va bien? Ouais! J'ai un oral à faire pour demain, puis je sais pas du tout quel sujet je vais prendre. Tu pourrais parler d'un joueur d'hockey? ML? C'est parce que tout le monde s'attend à ce que je fasse mon oral sur ML. Faut que je trouve un sujet plus original. Ben, c'est quoi la consigne? Il faut parler d'une personne qui est importante dans notre vie. Ben, tu pourrais parler de... ML? Laissez faire, je vais le trouver tout seul, mon sujet. Moi, je vais faire la case extraterrestre. Ouais. Quand tu vas tomber sur cette case-là, là, il faut que tu parles en extraterrestre jusqu'à la fin de la partie. C'est quoi, parler en extraterrestre? Ben, ping, bong, cring, clang, cong, cong. Toi, quelle case tu fais? Je gage que Nathan fait la case du gourmand. Ah, bonne idée. Si on veut continuer à jouer, il va falloir aller chercher quelque chose à manger. Mmh. Wow! Vous voulez vous rendre jusqu'à combien de cases comme ça? Au moins 200. J'espère que ça se joue à deux parce que personne ne va avoir le courage de jouer avec vous. Hey! Où est-ce que t'as trouvé ça? Dans les boîtes de bricolage. C'est à qui le jeu? Ah, c'était à ma mère. Il est beau. Papa m'a dit qu'elle aussi, elle aimait beaucoup les jeux. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir perdu ta mère? Mais je sais pas vraiment. J'étais trop jeune quand elle est morte. Est-ce que tu t'ennuies d'elle? C'est plus que j'aimerais ça savoir comment elle était. Je me souviens plus de rien. Alors, je sais pas de quoi m'ennuyer. Mais est-ce que tu penses souvent à elle? Quand je pense, je la vois comme un ange gardien. Un ange gardien? Nathan, je pensais jamais dire ça, mais t'es un génie. T'es un génie? Ben, il était temps que quelqu'un le reconnaisse enfin. Mais viens, Victoria, là, tu te caches souvent en arrière des armoires comme ça? Seulement quand mon chum se cache derrière son livre pour pas m'aider à préparer du souper. Excuse-moi, là, c'est parce que je veux absolument découvrir si c'est l'inspecteur Morris qui est le coupable ou sa femme. En dehors du fait que t'as pas fini ton livre, ta journée s'est bien passée? Non, tout va bien. Et tu es allé faire les courses? Mais viens, Victoria, tu sais que j'aime pas ça parier. Bon, ben, je pense que je vais aller les faire moi-même, hein? Ouais, c'est ça. À tantôt. Et où, Victoria? T'es allée parier aux courses. Et t'es allée faire les courses, tu veux dire? Voyons. Tu trouves pas que ça sent drôle ici, Célina? Ouais, mais c'est pas juste ici. Karine aussi m'a dit ça tantôt. Ah! As-tu joué avec un chien, toi? Quoi? Ouais. Oh! Mais je comprends pas, elle sort de la sécheuse, cette veste-là, c'est... Qu'est-ce que tu cherches? Un jeu de cartes. Ben, je vais t'aider. Si tu veux, je peux même te lire ton avenir avec le jeu de cartes. Je suis super bonne là-dedans.
C'est gentil, mais j'en ai besoin pour mon oral, puis si je le trouve pas bientôt, j'ai pas besoin de connaître l'avenir pour savoir qu'il va arriver un malheur à Nathan. Tu parles de quoi dans ton oral? Ah, c'est une surprise. Moi, je parle du Dalai Lama. Toi, ça, tu connais le Dalai Lama? Et en quoi c'est une personne importante dans ta vie? Je suis une personne qui vit pour son prochain comme lui. Avec ça, je devrais avoir une bonne note. Tu sais qu'il y a un gars qui tourne autour de Shandy? Il est pas vraiment beau, là, mais on l'aurait vu l'attendre après une partie de ringuette. J'aime mieux suivre un cours de maths que de l'écouter. Je vais devoir utiliser la manière forte. As-tu écouté les dernières compétitions de natation, Karine? Moi, tout ce qui m'intéresse dans la natation, c'est Alexandre Despatie. Despatie fait du plongeon. Du plongeon, c'est quand tu sautes. La natation, c'est quand tu nages. L'important, c'est que les gars ont des maillots dans les deux. C'est bien plus sexy un gars en maillot qu'un gars en patin. De toute façon, je pense qu'Alexandre Despatie a même pas gagné de médaille olympique. Karine, maman veut te parler. As-tu vu le jeu de cartes? Oui, dans cette boîte-là. Ah, oh, c'est vrai. Puis Despatie en a gagné une médaille olympique. Bye. Ah. Despatie, une médaille olympique. Voyons, il est pas assez bon pour ça. Je fais de la natation, je dois savoir. Despatie fait du plongeon, pas de la natation. Nathan t'attend sûrement, là, tu devrais aller le rejoindre. J'ai pas l'intention de rester ici. C'est ça, on te retient pas. Ben, merci pour le jeu de cartes. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je vais... C'est à toi? Non, c'était à ma mère. Ah, je l'avais jamais vu. Il est beau, hein? Victoria, j'aurais besoin d'un avis. Mais il faut que tu me jures que tu parleras de mon secret à personne, même pas à Célina. Quel secret? T'as pas juré? Je te jure, j'en parlerai pas. Je fais un oral sur ma mère. Je savais qu'elle trouverait ça bébé. Il y a des belles fossettes! Oh, il est tellement gentil, hein? Il va faire un oral si ça me met! Il va faire un oral si ça me met! Oh, il dort bien! Puis tous les petits amis ils vont trouver ça drôle! Oh oui, tous les petits amis vont rire de tes balles! Ça va être encore pire demain devant toute la classe. Laisse faire, je sais que ça fait bébé. Comment ça, bébé? J'ai rien dit. Ton sourire disait tout. C'est pas bébé qui parlait de sa mère. Non, non, j'ai souri parce que... Ben, je suis étonnée. J'ai pas envie que toute la classe me trouve têteux parce que je fais un oral sur ma mère. Je suis certaine que tu vas réussir à en parler d'une manière qui te ressemble. Ben, t'as peut-être raison. Ben, on va pas se mettre à pleurer quand même. En tout cas, moi, je serais très touchée si Manolo faisait un oral sur moi. T'en parleras pas? Non, j'en parlerai pas, c'est promis. Inquiète-toi pas. Qu'est-ce que vous lisez? Ah, Les 12 coups, un roman policier écrit par S.W. Jawaharlal. L'as-tu lu? Non, je pense pas. Ça a vraiment l'air bon. Bon, tu dis? C'est l'histoire d'un détective qui enquête sur la mort de 3 personnes qui ont été tuées en même temps, de la même manière, mais dans 3 lieux différents. Plus son enquête c'est avance... C'est Sarah qui vous l'a prêté? Oui. Elle est tellement bon que j'en ai pas dormi de la nuit. Si
vous voulez, demain, je peux vous apporter des magazines. Il y a toujours des tas de trucs pour retrouver le sommeil là-dedans. Ah non, non, la seule façon de retrouver le sommeil, là, c'est de finir mon roman. Je suis désolée pour ma petite sœur. Elle est envahissante et pense que toutes les maisons sont à elle. Tant mieux, ça se sent bien ici, hein? Vous allez voir, des fois, elle est pas du monde. Elle parle fort, elle s'obstine. Si vous êtes tannée de la voir, Si j'ai des problèmes avec ta sœur, je lui dirai. Ça va, ça? C'est parce qu'elle est encore un peu gênée, mais vous allez voir, elle ressemble à une tornade. Vous auriez dû voir l'état du sous-sol tantôt. Mais inquiétez-vous pas, j'ai tout rangé. Ah, c'est gentil, Karine. Maintenant, est-ce que je peux continuer ma lecture? Vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit. Excuse-moi, je suis fatiguée, là. J'espère que t'es pas en train de mourir, parce que c'est tout ce qui intéresse ton père pour le moment. Ah! Encore en train de lire ton livre de S.W. Jolly? Hein? T'étais pas supposé de faire la vaisselle? J'ai presque fini. On dirait plutôt que t'as pas encore commencé. Non, c'est pas ça, c'est... Papa, j'aimerais ça te parler. Je finis mon chapitre, là, je suis tout à toi. Papa! Quoi? Il y a moyen de lire en paix, là. Vous êtes pire que des bébés. Laisse faire, je vais m'arranger tout seul. Non, excuse-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voulais savoir si t'avais des anecdotes à propos de maman pis moi. Des anecdotes amusantes. Des anecdotes comme ça, là, ou dans un but précis? Je fais un oral sur maman. Sur Isabelle? Ouais. Fallait parler d'une personne importante dans notre vie, puis j'ai décidé de parler d'elle. Ah. Mais je veux pas que les autres me trouvent bébé. J'aimerais s'en parler avec humour. Je suis fier de toi, mon gars. J'aime ça, entendre ça. Tant mieux. Est-ce que t'en as des anecdotes? Ben oui, attends un peu. Ah oui, quand t'étais petit, tu voulais jamais dormir sans ton toutou l'hippopotame. Ah, c'est vrai. Il était mauve avec des petits pois bleus. Mauve avec des petits pois bleus. Puis un soir, je devais aller coucher chez ma mère. Puis une fois parti, t'avais offert ton toutou à Isabelle pour me remplacer. Elle t'avait trouvé tellement mignon, là. Ah ouais? Nathan, là... Ben, je veux des anecdotes qui vont faire rire les autres, pas qui vont leur permettre de rire de moi. Ah, je me concentre, là. Ah oui, est-ce que tu te souviens de ta première journée à l'école, papa? Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Ah, mais là, Simon, je le sais, mais les souvenirs, ça vient pas comme ça, là. Ah, oublie ça. Je vais faire mon oral sur Mario Lemieux à la place. Ben oui, Mario Lemieux. Oui, Mario Lemieux! Justement, tu viens de me rappeler une des meilleures anecdotes. Sur Mario Lemieux et moi? Oui. Tu t'en souviens quand t'étais petit, là, Mario Lemieux, c'était ton idole. Hein? Ben, au même moment, à cette époque-là, il y avait un chanteur... Ça sent bon. C'est pour ça que tu me déranges? Nathan, qu'est-ce que t'as fait avec le linge? Rien. As-tu échappé quelque chose dans la laveuse? J'ai rien fait. OK, d'abord, on va aller demander à Victoria de sentir. Hein? On va voir si elle va trouver que ça sent bon. Ah, Célina! J'ai oublié la brasser dans la veuse hier matin. Je pensais qu'en mettant quelques feuilles d'assouplisseur, tout sentirait bon. Mais toi, t'es tellement intelligente. Tu connais ça, le lavage? Nathan, j'ai mis dans le panier tout mon linge qui sent mauvais. Tellement travaillante. Essaie pas, je t'aiderai pas. Allez, Célina, ça fait plein de fois que je te rends des services. Ah ouais? Quand ça? J'invente ou je continue de la complimenter? Tu le sais pas, parce que je m'en vante pas. Mais quand t'es pas là, je prends toujours ta défense. Nathan, j'ai autre chose à faire que de t'encourager à devenir paresseux. Je t'aiderai pas. Vas-tu le dire aux parents? Ben, tout dépend de ce que t'as à m'offrir en échange. Et vas-y, demande. Si tu me trouves le sujet d'oral de Simon, je dis rien aux parents. C'est tout? Pas de problème.
c'est super beau. Oh, Claude, lâche ton livre. Non, non, Victoria aimerait juste quelques pages à lire. Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites? On va commencer une petite partie, ça te tente-tu d'embarquer? C'est ça, votre fameux jeu? Oui, viens-tu jouer? J'ai pas le temps de jouer à des jeux de bébé. Qu'est-ce qui se passe? Toute la journée, t'as été bête comme tes deux pieds avec moi. T'es partout. Je te vois à la maison, à l'école, puis même chez mes amis. Je t'en ai. Mais quand tu viens ici, toi, t'es avec Célina, puis moi, j'étais avec Nathan. T'sais, la maison est grande, là, on peut toutes les deux sans être obligé d'être collés. J'ai la priorité. Ça fait plus longtemps que toi que je viens ici. Hein. Si je vais être toute seule, j'ai le droit. C'est toi qui veux pas qu'on soit toutes les deux ensemble, mais c'est à toi de t'arranger avec ça. T'as fait exprès de venir ici aujourd'hui juste parce que j'étais là. Je savais même pas que t'allais venir. En plus, j'étais arrivée avant toi. C'est même rendu que tu prêtes des livres à Claude. Faut vraiment être têteuse. Ben, voyons, j'ai oublié mon livre ici, puis Claude a commencé à lire. C'est pas moi qui lui ai apporté. Tu fais tout pour attirer leur attention. J'ai autant le droit que toi d'être ici, puis de parler à qui je veux. Bon, viens donc, là, on va jouer. Non. Ben, tant pis. Hey. Limite le serpent en rentrant. Ça va être drôle. On a une chance, on a lavé le plancher. Tu dois porter du rouge à lèvres. Oh. Ah, bon, on la commence la partie. Ouais, okay. Avant que je retombe dans mon livre. Non, non, allez. Je vais commencer. Non, 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 laisse ton ami commencer. Hey. Bon, vas-y, ma belle Sarah. Ah, OK. Ah. Cinq. Ah. Voilà. Okay. Oui. C'est mot, oui. OK. Oui. Un, deux, quatre, cinq. Quand ma mère s'est rendue compte qu'elle avait fait la file pendant 3 heures pour une signature dont personne voulait, elle a été prise d'un fou rire. Quand elle est morte, je pensais jamais que je pourrais parler d'elle puis en rire. Aujourd'hui, je vois ma mère comme un ange gardien. Puis je suis sûr qu'elle préfère me voir rire que de me voir pleurer. Wow. Tu m'espionnes. T'es pas gênée? T'as jamais entendu parler de la vie privée? Mais non, Simon. Je passais dans le corridor, je t'ai entendu, puis j'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Ça t'énervait, hein, de pas savoir c'était quoi mon sujet? Je le savais déjà. Nathan me l'avait dit. J'imagine que tu vas rire de moi. Pourquoi je rirais de toi? Parce que... un gars qui parle de sa mère, c'est têteux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un super bon sujet. C'est original, puis en plus, t'arrives à en parler d'une manière amusante. Je suis sûre que tu vas avoir une bonne note. J'espère surtout que personne va rire de moi. Si tu parles avec ton cœur, Simon, personne va rire de toi. Mais tu sais que tu devrais quand même me remercier, hein? Oh ouais. En quel honneur? Ben, sans moi, t'aurais sûrement pas cherché un sujet original, puis t'aurais probablement improvisé un petit oral à la dernière minute sur Mario Lemieux. Oui, mais avec mon talent naturel, j'aurais pu improviser le meilleur des oraux. Mm-hmm. C'est super beau ce que t'as écrit.